Eh bien salut, bonsoir macho boys et sexy girls et bienvenue dans notre 14e partie sur Cities Skylines. Ok, on va arrêter de niaiser et là nous avons réglé tous les problèmes de cette belle ville. Ah mais à part ces trucs là, parce que vous savez, au niveau de l'électricité, j'ai plusieurs usines de quoi. Attends, j'ai centrale de fuel, centrale à charbon, donc j'ai trois usines qui ne marchent plus parce que on n'a pas assez de fuel. On n'a pas assez de charbon, pas assez de pétrole, ces chiens en maudit, et ça me tente pas de faire de l'importation pour aller en chercher. Alors, ce que je vais faire, c'est aller, aller ici pour aller chercher du pétrole, parce que selon la map, selon la légende, il y a du pétrole ici. Alors, dans la Queenland, il faut que je me réserve une petite place pour construire une industrie pétrolière ici. J'espère que ça va marcher. Et là, j'espère que eux, ils ne vont rien faire de con pendant que... disons que je expand my influence over the world. Alors là, c'est parti. Mais je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que je devrais acheter cette parcelle de terrain juste pour, disons, exploiter ceci afin de faire en sorte que ma Queenland soit gros? Parce que là, acheter ceci à 10 000 $ juste pour exploiter 20% du terrain, ça vaut pas la peine. Non, je vais pas l'exploiter pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est construire une petite boule ici, une petite boule ici et une tige ici pour vous savez faire quoi. Je sais que c'est un peu vulgaire, mais ça s'appelle la Queenland. Qu'est-ce que vous voulez? On va dire que les boules, ce sont des lunettes, là, c'est tout. Alors là, let's go, on va faire ça. Mais là, il faut construire une autoroute, je pense. Il faut planifier un peu. Est-ce que je veux faire en sorte que la Queenland soit juste au milieu ici? Où je fais quelque chose comme ça. Ok, oui, je sais qu'est-ce que je vais faire. C'est bon, I got it. Bon, il faut construire ceci. Attendez. Ok, ça vient par là. Donc, nous allons étendre un peu l'autoroute jusqu'ici. What the fuck? Ah non, je voulais pas la courber. Whoopsie daisy. Bon, jusqu'ici. Est-ce que c'est bon? Oh non, je me suis trompé. Whoopsie daisy, c'est pas une autoroute. Ah, j'étais un peu distrait. Whoopsie daisy, désolé. Donc nous allons l'étendre jusqu'ici. Et ça, nous allons l'étendre. Ah non, c'est un peu croche, hein. Ok, là c'est droit. Donc nous allons faire un gros... Non, c'est petit, hein. Je sais que je suis un chinois, mais pour ma tige, c'est un peu petit. Non, c'est pas bon ça. Non, aujourd'hui je suis un blanc, je suis pas un chinois. Et voilà. Bon, là ma tige est assez longue, je pense. Ouais, pourquoi pas. Alors là maintenant, il faut que je me construise deux petites bouboules. Alors, comment est-ce que je vais utiliser des routes normales? Ça va être des routes avec du trafic élevé. Donc il me faut quelque chose comme ça. Route à 6 voies peut-être. Mais je veux faire en sorte que tous les conducteurs qui viennent dans ma ville, dans la Queenland, doit traverser la Queenland au complet. Alors je vais faire des voies à sens unique. Je sais que c'est pas rentable, je le sais très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est là pour s'amuser, on est là pour faire le con. Alors là, on va mettre notre Queenland à peu près ici. Ah ben non, c'est pas bon. Il faut que j'exploite cet endroit. Ah ben oui, la boule droite sera la zone industrielle. Ok, non, tout est parfait. Alors là, on va juste faire en sorte qu'on a des grosses bouboules ici. Ici, jusque là. Ok, on va faire en sorte que ça couvre tout ce terrain comme ça. Mais la bouboule est pas très bouboulesque, hein. Faudrait que je fasse ça comme ça. Ok, ouais, comme ça c'est assez bouboulesque, hein. Ouais. Faut aller grand. Alors là, on va aller jusqu'ici. Ah non, on dirait un œil, c'est pas une bouboule, voyons donc. Alors, ici, comme ça. J'espère que c'est assez gros. Attends, laisse-moi ça. Ouais, ok. Ça n'a pas l'air très bouboulesque, là, mais... Whatever. On fait ce qu'on veut. Bon, alors là, ça, on va faire en sorte que ça va jusqu'ici. Ah, man! Ok, il faut que j'achète une parcelle de terrain. Fuck that shit. Bon, voilà. Ok, je sais que c'était pas une très bonne idée, là. Juste pour créer ma bouboule land. Mais bon, tout est beau. Alors là, on va faire ça ici, comme ça. Je sais pas. Est-ce que c'est beau comme ça? C'est un peu trop gros, hein? Est-ce que... Attends, laissez-moi mesurer.
non, non, il faut que ce soit à peu près ici, je pense. Ok, voilà. Et là, ça, on va l'amener jusqu'ici. Oh, 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 ok, je crois que... Ouais, c'est quand même beau. J'ai gaspillé beaucoup d'argent, mais c'est correct. Alors là, ok, ma tige est vraiment... Elle est vraiment pas longue, hein? Oh boy! Ah là là, ça c'est pas bon du tout, ça. Bon, en tout cas, première chose à faire, c'est connecter l'autoroute à la couille laine. Ok, ouais, c'est pas bon, ça. C'est tout croche. C'est tout croche. Voyons donc, regardez. Le bout gauche peut aller au milieu de la bouboule laine, mais la voie de droite, là, ici, là, ça va aller où? What the hell? Ok, bon, en tout cas. À moins que je les interconnecte d'une façon bizarre. Je sais pas quoi utiliser. Fuck! Ok, je suis dans une impasse. Attends. Quoi, j'ai des problèmes en énergie? Non, j'ai pas de problème en énergie, non? Bon, mon chat a été sauvé par un détecteur de fumée. Yes! Bon, lorsque les gens vont venir ici, là, ça va être un petit peu bizarre comme truc. Alors, ok, j'ai une idée. I got it. Je sais ce que je vais faire. Attends, est-ce que je peux connecter cette autoroute ici? Ah ben voilà! Ah ben c'est aussi simple que ça! Et là, ça, ici. Ah mais c'est cool! Ah ben ça marche! Regardez ça, ça marche! Bon, alors là, au début, ce que je voulais faire avec la couille laine, c'est écrire mon nom. C-O-U-I-L-L-E-B-L-E-U. Ou C-O-U-I-L-L-E-L-A-N-D. Couille laine ou couille bleue. Mais je crois que ça, c'est plus emblématique, n'est-ce pas? La couille... Je vais écrire couille bleue quelque part ici pour dire que c'est ma ville ou quelque chose comme ça. Bon, allez! Bon, première chose à faire, puisqu'on a besoin d'industrie, on va commencer à construire notre industrie. Mais pour ce faire, une seconde... Attendez, il faut que j'aille où exactement? J'arrête pas de me perdre ici. C'est où l'endroit? Ok, voilà. Ah ben, je suis en plein milieu de ce truc là. Ok, c'est parfait. Alors je vais construire. Je voudrais construire ça ici, mais c'est un peu loin de la civilisation. Alors je vais commencer à construire mes trucs ici. Industrie. Voilà. Attendez, on va construire ça ici là. Je sais que c'est pas très très beau là, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Alors là, s'il vous plaît, faites en sorte que vous pouvez construire des trucs ici. Pourquoi personne veut construire d'industrie? Mais c'est quoi votre problème? Attends. Pourquoi personne construit de trucs ici? Dis-moi pas, c'est parce que c'est trop loin de la population? No way! Attends, on va avancer le temps. Non, ok. Ok, il est construit, c'est parfait. Alors je vais tout de suite... Attendez, faire en sorte que ce soit un quartier, une industrie pétrolière, voilà. Je crois qu'il faut que je fasse ça, quelque chose comme ça, hein. Attendez, je suis pas très bon à faire ça, alors je suis vraiment désolé. Industrie pétrolière, ok, voilà, ça marche. Des problèmes de canalisation? De quoi? Il y a des problèmes au niveau de la canalisation? Non? Personne se plaint, alors tout est correct. What the... Oh, qu'est-ce qui se passe avec l'électricité? Comment ça, ils en ont pas assez? J'en produis bien plus. Voyons donc. Ok, juste pour eux, je vais augmenter ça à 70%. Là, ils ne devraient pas se plaindre. Ok, tout est beau. Bon, allez, cette fois-ci... Ok, c'est vrai. Ici, c'est comme si c'était une nouvelle ville. Alors, il faut que je construise... Peut-être un barrage hydroélectrique. Il me faut de l'électricité et des tuyaux. Aïe, attendez. Je sais pas comment utiliser la centrale hydroélectrique parce que vous voyez, ça ne produit que 112 mégawatts ou MW, millions de watts mégawatts. Donc c'est pas fort parce que je peux avoir un maximum de 1600. Je sais pas comment le placer. J'ai essayé de le placer ici comme ça. J'ai essayé de plein de trucs, mais j'arrive pas à avoir autour de 1000 watts, 1000 MW. Est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de con ou bien je sais pas. Mais en tout cas, si vous savez comment régler ce problème, s'il vous plaît, dites-le moi parce que j'ai envie de régler ce problème. Bon, alors là, ce que je vais faire... je sais pas. Où pourrais-je placer ça? Parce qu'ici, ça ne produit pas beaucoup de vent. À moins que je construise juste une centrale, hein. Ouais, pourquoi pas? Juste
Allez, on va construire une centrale, alors, juste au fond ici? Ouais, pourquoi pas? Voyons donc, j'ai plus besoin de jouer avec l'éolienne et tout. Je sais que c'est un peu exagéré ce que je fais. Mais, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. J'ai pas d'autre choix que de faire ça. Voyons donc. Et je peux pas le mettre un peu loin parce que là, sinon, ça va pas se connecter aux autres trucs. Là, il y aura pas d'électricité, whatever. Bon, pour l'eau, peut-être un château d'eau? Non, on va construire ceci là. Oh boy! Ok, ça c'est très très pollué. Wow! Oh, c'est tout brun, on dirait qu'on a chié dans ce lac ou dans cette rivière, cet océan, je sais pas, mais... Wow! Ok, je peux pas utiliser cette eau. Merde! Ah, shit! Oh, fuck! Ok, qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser l'eau à droite. Est-ce que je peux faire ça? Ok, on va essayer de faire ça. Station de pompage d'eau, on va le mettre juste ici. Et là, on doit connecter ça ici comme ça. Je sais que c'est pas très très ergonomique ce que je fais, mais c'est juste pour l'instant, pour se préparer. Hein. Alors là, ici, on va faire en sorte qu'il y ait... Ok, un conduit d'évacuation d'eau. Ah, j'ai du mal à prononcer les mots aujourd'hui. Donc on va placer ça ici et pas ici parce que je veux pas contaminer cette eau. On va contaminer l'eau qui est déjà contaminée en gros. Et là il me faut un tuyau comme ça. Est-ce que ça marche? Attendez. On va mettre ça ici. Yes, dites-moi que ça marche. Ok, vous êtes supposés marcher les mecs. Hein? On va voir. Est-ce que ça marche? Ils ont encore des problèmes. Ça... Non. Ok. Plus de problèmes d'électricité, plus de problèmes d'eau. Yes, ok. C'est bon. Ah, mais eux, ils ont besoin d'électricité. Aïe. Ok, ça commence bien. Le système de santé universel dans le monde entier, plus de santé... Quoi? Plus de santé... De moins cher. Hein? Quoi? Ils sont pas contents? Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, tout est correct. Voyons donc. Il n'y a pas de problème ici. Ok. Alors là, il me faut de l'électricité ici. C'est vrai, j'ai complètement oublié ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre des éoliennes, je pense. Hein? Pas besoin d'avoir des vents forts. Ouais. Pour l'instant, ça va être correct. C'est pas encore très développé. Alors, pour l'instant, ça va être correct comme ça. Hein? On avance le temps. De l'énergie verte! Yeah! On adore l'énergie verte. Allez, tourne. Come on! Ok, c'est parfait. Alors là, j'ai bien appliqué ma politique. Ben, en fait, j'ai bien dit que c'est une industrie pétrolière, n'est-ce pas? Ok, oui, c'est une industrie pétrolière. Je peux en construire encore un petit peu plus. Parce qu'ici, là, l'exigence est... l'exigence est moyenne. Alors, pourquoi pas construire un petit peu plus ici? Voilà. Comme ça. Bon, alors là, ici, on va construire des hôtels. Ouais, des hôtels. Et au milieu, je vais réserver le côté au milieu pour construire, vous savez, des parcs, des salles, des trucs pour... des parcs châteaux gonflables, des choses comme ça. Bon, on doit construire l'extérieur et ensuite l'intérieur. C'est ce qu'on va faire. Ne vous en faites pas, l'intérieur ne sera pas vide. C'est la même chose pour les parties génitales de l'homme, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai mis, mais whatever. Alors là, il faut que je construise des condos. Et là, on va mettre des condos juste à côté de l'autoroute. C'est pas une bonne idée, hein? Aïe. Attendez. Faut que je rase ceci et que je construise d'autres autoroutes. Ceci, comme ça. Attendez. Voilà. Ça bloque le son, n'est-ce pas? C'est bon? Je sais pas si je dois construire tout ça ici, là, mais... Ok, on va améliorer la route. Hein. Ouais, on va faire ça. Comme ça. Donc, personne ne peut se plaindre. Et tout est tiguidou. On va construire ça ici. Je suis vraiment lent à construire... à construire les trucs là, je suis vraiment désolé. Mon cerveau est lent de nature. Donc, oh yes! Le premier camion est arrivé! Wouhou! Ok, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Allez, attendez. À la première personne. C'est long, oui? Wow! Ok! Je sais pas pourquoi il a emprunté cette route là, mais wow! Vous avez vu, c'est ce que j'avais dit. Les gens qui viennent à la Kuilan doivent se préparer à faire vroom 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 vroom. Il n'y aura pas de raccourci.
fuck eux. Ils vont... Je sais que c'est pas bon pour ma ville. Je sais que c'est mauvais. Mais je m'en fous. C'est juste... Oh, la Queenland, c'est juste pour le plaisir. J'adore ce jeu. Mais, vous savez... Bon, j'ai pas trop de liberté. Il y a plein de choses que je voulais faire dans le jeu. Par exemple, je ne voulais pas améliorer les routes ici. Je voulais faire en sorte que ce soit tous des rues à double sens et tout. Mais ça bloque le trafic. Je voulais pas faire en sorte qu'il y ait... de condos, mais j'avais pas le choix. J'ai beaucoup de liberté dans le jeu, mais je n'ai pas assez de liberté, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tellement chiant, regardez. Lui, les gens qui viennent ici, là, ils veulent juste se diriger vers l'industrie. Mais ils doivent faire un gros tour et gaspiller au moins 20 litres de gaz. C'est trop génial. Bon, en tout cas, alors, on va construire des hôtels ici. Je sais que c'est pas trop bon de faire ça ici. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. On va faire en sorte que ceux qui louent une chambre ici vont payer quoi? 10$ par jour. Tandis que ceux qui sont un peu plus loin vont payer 100$ par jour, 100$ par nuit. Ouais, pourquoi pas? Hey, ça va être génial. Alors là, il nous faut des commerces. Ici, puisque c'est une rue à sens unique, les gens ne peuvent pas passer librement dans la rue. Il y a pas de feu de circulation en gros. Alors là, il faut que je mette des commerces sur la même rue. Parce que si les enfants entendent... Imaginez qu'un enfant habite ici et qu'il veut acheter du chocolat ici. Il devra traverser la rue et il va risquer sa vie parce qu'il y a plusieurs voitures. En plus, il y a des voitures garées et tout là. Ça me rappelle un jeu vidéo que je jouais quand j'étais jeune. Alors là, il faut mettre un peu de commerce ici. On va mettre quelques McDonald's, quelques dépanneurs. Ça va être super cool. On va développer notre belle industrie. Oh non, ils ont besoin d'employés. Attends. Ah, c'est vrai. Faut pas que je construise trop de trucs. Sinon, c'est mauvais pour la santé. Et puis, pour le tuyau. Attendez, c'est vrai. J'ai complètement oublié comment on construit une ville. Alors, ce que je vais faire, c'est connecter ce tuyau ici. Attendez, comme ça. Et faire ça comme ça. Faudrait pas que je construise... de trop gros tuyaux pour pas gaspiller trop d'argent, là, je sais. Mais on va faire ça comme ça. Et on va détruire... Oups, désolé. On va détruire ces tuyaux. Parce que ça ne sert à rien. Comme ça. Là, c'est plus ergonomique, je pense. Hein? Ouais, c'est beaucoup plus ergonomique comme ça. Bon, alors là, au niveau des employés, il nous en faut ici. Mais l'exigence est élevée. Alors, je sais pas si je devrais en construire. Mais il n'y a pas vraiment... Oh non! Oh fuck, j'ai complètement oublié ces bonhommes-là. Attendez. Employé 7800. Alors, ce que je devrais faire, c'est peut-être juste construire plus de condos, plus de maisons. Et là, ça va être correct. Ouais. Alors, l'électricité, on va connecter ceci et ceci. Je me débrouille quand même bien, vous trouvez pas? Au début, là, je galérais non-stop, mais maintenant, je me débrouille assez bien. Enfin, je crois. Ouais. Oh non, come on! J'ai bloqué... Ah, à cause de l'autoroute, je ne peux pas faire ça. Fuck! Ok, comment je connecte l'électricité à cet endroit? Peut-être que je peux juste construire plus d'industries. Mais là, les maisons qui vont être ici, ils vont chialer en maudit que... Oh, il y a trop de bruit, trop de pollution! Oh shit, qu'est-ce que je fais? Et si je construis trop d'industries, il y aura un manque d'employés. Attends, on va voir ça. 15, 20... Ok, 17... Ok, il y a quand même beaucoup d'employés, alors je crois, puisqu'il y a une forte exigence en industrie, je crois que c'est correct si je fais ça comme ça. Attends, pas ici, ce côté-là, pas besoin. Et là, je connecte les condos ici. Alors ceux qui vont vivre ici, ça va être gratuit pour eux, ouais, ça va être gratuit. Comme ça. Voilà, je crois que comme ça va être correct, on va tenter le coup. Est-ce qu'ils vont construire quelque chose? S'il vous plaît, construisez quelque chose. Les mecs, écoutez. Ok, non, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut construire une maison parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Comme ça, voilà. S'il vous plaît, construisez une maison, quelqu'un. Yes! Ok, alors là, il faut juste qu'ils construisent plus d'industrie, ça va être correct. Mais là, oh non, ok, il y a déjà un manque en eau et en électricité, là. Come on, dépêchez-vous. Attendez, est-ce que ça va... Ok, ça va bientôt se connecter. Come on. Les gens, come on, vous êtes capables. Plus vite, construisez vos trucs plus vite. Et puis, ouais, on peut construire des condos ici. Ok, nice. Ils se sont interconnectés, c'est super. Maintenant, il faut juste mettre des tuyaux. Attendez, on va mettre ça ici comme ça.
et ça ici comme ça. Voilà. Alors là, McQueen prend vie, c'est super génial. Wouhou! Ok, nice, nice, nice. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, je pense. Ouais, il n'y a pas de problème pour l'instant. J'ai beaucoup d'argent. Ok, j'ai beaucoup d'argent. J'ai envie de construire plein de trucs tout de suite. Mais si je construis trop de trucs, je vais foirer mon coup. C'est pas bon. Il faut que je prenne ça à la légère, n'est-ce pas? Alors là, maintenant, puisque j'ai besoin de plus d'industrie, je devrais peut-être en construire ici. Ouais, ok. Non, il y a un manque d'employés. On va construire des condos d'abord. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Des condos ici. Et là, eux aussi, ils auront des petits dépanneurs, des petits McDonald's, des IW. Ça va être super génial. J'ai hâte de terminer l'extérieur. Et ensuite, je vais travailler l'intérieur. À moins que je devrais... Ok. Ce que je fais, c'est un peu chiant. Alors, pour attirer les gens dans ma ville, parce que vous savez, eux là... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont désespérés à trouver du boulot, comme lui. Tous ceux qui habitent là sont désespérés. Ils habitent ici. À la place de marcher jusqu'au boulot, ils vont prendre leur voiture, faire vroom. Regardez, il y a déjà des voitures ici. Ils sont en train de rouler au beau milieu de nulle part. On dirait qu'ils vont passer d'une ville à l'autre. Là, ils vont aller là tout. Vous voyez, ça fait pas de sens. Et là, c'est vraiment chiant. Alors, ce que je vais faire, juste pour attirer les gens dans ma ville, je ne veux pas faire ça. Je vais enlever ça plus tard. Mais c'est foutre des routes ici. Ou bien, ce que j'aurais pu faire, c'est faire des rues à double sens, là. Mais ça me tente pas de faire des rues à double sens. Non, c'est ma ville, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Alors là, ici, on va faire en sorte que les gens puissent... attendez, il faut que ça soit courbé. Ah non, ok. Ceux qui décident d'emprunter ma nouvelle route doivent faire des zigzags. Attendez, comme ça. Attendez, come on. Ah, je peux pas faire des zigzags. Oh, voyons donc, je voulais faire en sorte qu'il y ait des zigzags pour leur punir. S'ils ne prennent pas la longue route, ils prennent le raccourci, ils doivent faire un zigzag de merde là. Mais bon, ok. J'ai pas envie de trop gaspiller dans l'infrastructure de ma ville. Donc, dans les rues de ma ville. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Bon, alors, attendez, il y a 1, 2, 3. Pourquoi ici, j'ai construit une rue à 6 voies lorsqu'il y a juste 3 voies ici? C'est pas logique. En plus, je gaspille plus d'argent. Voyons donc. Aïe. Je fais des choses stupides à longueur de journée. Mais là, ici, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de rue à 3 voies. Hein? Ouais, c'est 4 voies, 6 voies et 2 voies. J'ai pas de rue à 3 voies, à part des autoroutes. Et j'ai pas envie de mettre une autoroute dans des rues comme ça. Qu'est-ce que je fais? Une mini autoroute. Ok, on va construire la plus mince, la plus courte autoroute du monde entier. C'est ce qu'on va faire. Voilà, comme ça. Allez, amusez-vous. Bon, ok, c'est la plus courte autoroute au monde, là. Je sais. Alors là, je vais connecter... Attendez, ceci, ça ici, non, c'est pas assez rond, là, ok, ouais, là, je crois que c'est assez, bon, oh, mais en fait, c'est l'emblème de X-Men, ça, voyons donc, ah, que je suis intelligent, oh, mais non, ce que j'aurais pu faire ici, c'est construire quelque chose comme ça, hop, aïe, attends, Non, je peux pas construire. Ah bah oui, j'aurais pu utiliser ça, puisque... Attends, j'aurais pu utiliser ça pour vrai, hein? Genre, je connecte ceci à là, et ensuite ça... Oh, whatever, ce qui est déjà construit est déjà construit. Ouais. Et, oh boy, que c'est beau. Ça commence à être beau. On dira qu'il y a une décoration sur ma testicule ou quelque chose. J'ai pas dit testicule. Non. Dans le boucle infini de la couillette. Ouais. En tout cas, les amis, nous allons prendre une petite pause ici. Je sais que le développement de ma ville est lent parce que moi, personnellement, je suis lent. Mais j'espère tout de même que vous avez apprécié cette 14e partie sur la couillette. Et nous allons continuer ça la prochaine fois. Je vous promets qu'au prochain épisode, nous allons construire tout l'extérieur de la ville. Et dans le prochain du prochain, nous allons commencer à entamer nos projets de loi, nos projets de construction dans la Queenland, à l'intérieur en tant que tel. Alors, ça va être tout pour l'instant. J'espère tout de même que vous avez aimé cette 14e partie sur la...
City Skylines. Je sais que j'ai répété ça deux fois, mais on s'en fout. Alors, si vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous joignant au gang de couilles. Et n'oubliez pas les potos, vous êtes les meilleurs. Bye bye!